pas nouveau vlog, bien sûr, à liker et vous abonner à la chaîne. C'est la ride de la plus belle fille de No Man's Land. Hashtag 38, les autres voitures aujourd'hui. On doit finir de moissonner les 3 champs restants au moment de cette vidéo. Hein. Voilà, hop, vous le voyez. Donc les autres parties. Je vais remettre les ouvriers en route. Allez, hop. Faut qu'on l'autre ouvrier va passer dans l'autre champ. Donc les autres parties, les amis, bon, les amis, bien, je vais être un petit accéléré, les amis. Bah oui, hein, un petit accéléré pour demain l'épisode. Allez, les amis, à tout de suite. Champ de One. Les autres parties, on est en train de faire de la bonne récolte. Da One. Let's go. Notre produit. Donc, les autres parties. Donc, les amis, je pense que je pense qu'on aura peut-être assez d'argent pour acheter. Une ensileuse. Bah, au moins, on achète une planteuse. Je pense que prochaine fois, on achète une planteuse. Par contre, on va acheter une bonne ensileuse. Pas la moins chère parce qu'on n'a pas beaucoup de budget. On va peut-être mettre un petit VT crédit. Hein, on remboursera après, mais bon, voilà. On sait très bien ça. Donc après, bah, les amis, vous savez, pour les amis, pour récolter, moi je vais prendre la benne. Bah, par exemple, pour l'entrée là, les amis, moi, il va récolter l'ancien là et moi je vais être à la benne. Et puis voilà. Hein. Et dès que moi je serai plein, je vais l'arrêter, tu vois. Je vais pas le laisser en route, attendre comme ça. Donc voilà. Donc ça se passait comme ça, tu vois. Parce que moi, l'ouvrier peut pas suivre avec la benne, c'est pas possible. Voilà. Donc, je vais l'emmener, etc. Donc ça, c'est vrai que là, les amis, ça va être un tout nouveau truc. On va faire ça dans très 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 peu de temps. Et rester là, connecté sur la chaîne YouTube, sur la série d'ailleurs. Hein, on a plus belle ferme dans ma sens. J'espère vous allez bien. Déjà l'épisode 38, les amis. Hein, ça glow up. Cette série commence à prendre vachement de temps. Hein. Ah, les amis, c'est une série Netflix. Hein, je sais plus ce que c'est Netflix. Parce que là, avec ton épisode, et encore, c'est pas terminé la série. Donc, les nouveautés sont pas terminées encore. Hein. Par contre, on va utiliser encore des nouvelles usines de production. Vous allez voir. Hein. Cette série, les gars, après, faut qu'on fasse la deuxième ferme, après, qu'on fasse la troisième ferme, après, vous allez voir, et cette série n'a pas presque encore terminé. Hein. Je pense qu'on est encore vers la. On est en milieu de série, je pense quand même, on est en milieu de série, hein. Faut pas croire non plus, hein. Faut qu'on attaque deuxième ferme, qu'on a troisième ferme. Et là, on va devoir faire aussi un village, ça, c'était prévu sur la série, on va le faire, vous inquiétez pas, mais ça va prendre encore du temps, hein. On vous ai dit, hein. De toute façon, la série va s'avancer. Ça prend du temps comme parfait de rien. D'ailleurs, j'espère vraiment que l'épisode d'hier vous a plu, d'ailleurs. Hein, n'hésitez pas, encore voté les sondages, d'ailleurs c'est la vidéo d'hier, hein, c'est pas de rien, n'hésitez pas voté les sondages, hein, c'était d'hier, tu vois, c'est la série de la plus belle, avant-hier, pardon, je la vidéo, c'est encore mercredi, la plus belle firme, hein, ça me mérite sur Juni maintenant. Ok, donc voilà, c'est une note qui a duré 25 minutes, moi j'ai voulu la monter, 25 minutes, oui, c'est comme 25 minutes d'épisode, hein, pas beaucoup d'accès, vraiment ça t'a plu, alors cette série là, j'ai pas envie de m'entendre de bien, on les mettra sur la prochaine série, voilà, donc le mode, voilà. Hein, ça sera la prochaine série. Donc c'est pour ça que bah, le film, vous n'avez pas encore vu les bandes, elles ne sont pas affichées. Je n'ai pas mis. Et puis, en sens, c'est que pour pas de rien, on verra si on mettra sur d'autres séries pour l'instant. En sens, pour pas de rien, une petite nouveauté. Et le montage, je veux dire, sur une 25 minutes, a pris 50 minutes, la plus longue en termes de montage. Bah, parce qu'il faut écrire les objectifs et tout. D'ailleurs, c'est vrai que ça, pour pas de rien, demande aussi une organisation de ouf. L'argent, après, vous regardez les fichiers, etc. Il faut calculer, tu peux une calculette et tout. Bon, ça a été coupé, mais. Et ça, j'ai calculé bah, quasiment direct dans la vidéo, mais vous l'avez pas vu parce que c'était coupé. Hein, c'était coupé au montage. Et ça demande. Voilà, ça demande. Là, ça demande un peu plus de travail au niveau montage. Hein, parce que, ben voilà, ça demande plus de travail. Il faut marquer les objectifs et tout, écrire. On sent un peu vidéo piscine, tu vois. C'est ça qu'on dit un peu. Donc, bah, pas de rien, prend du temps. Certain, hein, ça prend beaucoup de temps. Je vais pas vous croire non plus qu'elle prend pas de temps. On est vachement de temps. Donc, voilà.
Bon les amis, gars, je pense qu'on va remettre un accès les amis. Bah on va peut-être pas remettre un accès tout de suite, si si si. D'ailleurs les amis, on a encore un champ d'avoine les amis, puis après on va attaquer la fauche. Et oui. Ah non, faut qu'après les amis, on attaque les raisins, les olives et tout, hein. Bah oui, on fasse ça juste après, hein, c'est important. Faut pas croire non plus, faut qu'on le fasse, hein. Donc voilà. Et après les amis, faut qu'on puisse, après faut qu'on voilà, faut qu'on mette ça aussi dans les usines de production, hein, les amis, c'est important de mettre ça dans les usines. Moi je sais les amis, niveau raisin et tout, ça c'est vrai qu'on a pas beaucoup de palettes, hein, tout. C'est vrai les amis, on a pas fait beaucoup de vignes, je pense qu'on va faire pas mal de vignes, hein, pour qu'on ait la place de roman. En plus ça rapporte, hein, ça vend 5000 euros, donc c'est pas non plus rien, hein, 4000 ou 5000 euros, c'est pas non plus rien, c'est pas non plus de la daube, hein, parce que là non plus, hein, donc, quoi. Et je crois que là-bas les amis, on va pouvoir acheter aussi, qu'on va pouvoir faire de la farine et tout, donc ça va être important. Ah bah il y a un ouvrier qui a terminé. Allez, let's go. Bah, il a encore un, là, il va taper le plus grand champ. Les ouvriers vont être encore en retard. Mais je crois que ils sont quand même moins en retard. Hein, parce que moi, après, j'ai encore un champ à faire. Hein. Je ne crois pas, mais j'ai encore un champ, moi. Donc, bah, vous verrez la vente que la prochaine vidéo. Hein, parce que bah, vous ne l'aurez pas terminé. Il y aura des demi-cages. Je vais faire qu'une heure 52 autres vidéos. Donc, voilà. Ma vente, il fait un peu d'oubli, non? Attends, attends. Attends, remets-toi bien droit là. Encore envoyé, toi. Ouais, voilà, on refait là. Voilà, on remet bien droit. Voilà. Il est mieux, il est un peu mal mis. Bon, tant pis, c'est pas grave. C'est ça qu'on va gagner derrière le code. Putain, mais non, l'ori, il galère, hein. Ouais, la boîte est pétée, là, aussi. Bon, attends, attends. Je vais aller réparer ça, les amis. Bon, d'accord, les amis, je vais mettre avec ça, les amis, parce que... ça va un peu... Et bah les amis, en ce moment, quelques heures plus tard, les amis, voilà, vous avez un petit cut. Donc vous avez les ouvriers, ils avancent très bien. Là, il met un 3 pompes, là. Attends, il bloque pas, hein. Ah merde. Ouais, j'ai mal mis. C'est pas grave. Hein. Bon, j'ai mal mis l'ouvrier. Onglet sur ce parti, les amis. Allez, roule. Donc, amis, la dernière fois, les amis, on avait racheté un pied d'olive. En attendant, les amis, on va rattraper racheter qu'un pied, tu vois, un pied sur un pied, tu vois. Ça, quand même, ça coûte quand même 15 000 euros, tu vois. Donc on a agrandi un peu cette parcelle et ça coûte très cher. Donc on va pouvoir agrandir. Mais c'est pour ça aussi, les amis, qu'on va agrandir, on va acheter quelques parcelles en plus. C'est pour vraiment, bah, pour les usines de production, on va faire plus d'olives et tout. Donc, je trouve que c'est intéressant parce que bon, on a quand même acheté la machine à olives. C'est aussi pour que ça serve. Donc, amis, aujourd'hui, mon ami, je vous ai pris une miniature des olives aujourd'hui parce que, bah, tout aujourd'hui, on va rien faire de spécial à part récolter. Voilà, on récolte des champs, on avance plutôt bien. Il n'y aura rien marqué au titre de spécial, il n'y aura rien marqué. La fin de Vincent, j'étais 38, c'est tout. Il n'y a rien de spécial, voilà. Il n'y aura rien de spécial. À mon avis, dans quelques épisodes, on a vu l'épisode 39, vous allez voir la petite vente. Mais en vrai de vrai, je pense que prochain épisode, les amis, les gars, je vais vous attaquer. Je pense qu'on va prendre la miniature, les amis, de. Je pense que je vais prendre la miniature en vrai de. Comment ça s'appelle ? De la deuxième enclos, les amis, parce que le nombre de laine, des palettes de laine qu'on a fait, j'aurais envie de la prendre, tu vois. Je vais prendre cette miniature-là une prochaine fois. Ou si on peut la prendre cet épisode, je choisis. Mais je pense pas qu'on aura le temps. Donc en vrai, si vous êtes là, je pense qu'on aura vraiment pas trop le temps. Bah peut-être on aura le temps. Je vais prendre cette miniature là, mais si on n'a pas le temps. Si j'aurais le temps, je prendrai celle-là et elle fait beaucoup de palettes de laine. Vous verrez bien au titre. Et à la miniature, pourquoi on n'avance plus là? Ok, c'est vrai que des fois ça se bloque, c'est chiant comme ça. Bon, mon ami, j'ai ramené la machine de la benne à olive. Bah la benne, bah pas elle est aussi une benne normale, hein, c'est ça. Ça c'est vraiment ça par rapport aux bennes. Au ben de raisin, les amis, c'est pas spécial. C'est vrai que la machine à raisin, ça coûte moins cher, mais t'achètes tout le reste. On est quasiment, on est même un cheveu plus cher, je trouve, que les olives. Après, le pied d'olive, il coûte plus cher aussi. Le raisin coûte moins cher. Après, ça demande de tailler.
Mais bon, on est sûr qu'on est peut-être plus rentable. On est quand même plus rentable sur les olives parce que quand tu vends les palettes, on est un peu plus cher. Donc, mais même sur les deux cultures, bah, c'est intéressant. Franchement, c'est très intéressant et on va faire ça. Voilà. Après, si on n'a vraiment pas le temps, je le ferai pas, je le cueillerai pas. Voilà. Mais bon, je trouve que pour le rendement, les amis, il faut vraiment qu'on le fasse. Et je pense que les pieds de vigne, on va les têtes des pieds de vigne, on va bien s'agrandir. On a encore tout ça. Hein. Et après, les amis, il y aura les raisins. Parce que les raisins, les amis, j'aimerais bien les placer. Je pense qu'on va plus placer par là, on va placer juste là. Peut-être passer une vigne entre les deux là. Parce que je trouve que ça fait un peu trop. C'est un peu trop loin, je trouve. Donc, on va mettre bien une petite vigne là-dessus. De pieds de vigne, pieds d'olive. Hein. Faut s'habituer au pied. Donc, les amis, ça avance très bien, les ouvriers. Ils avancent, mais encore après trois champs à faire. C'est le plus grand champ qu'ils attaquent. Après, ils auront des petits champs. Après, les amis, après, faut que je récolte deux. Bah, après, les amis, faut que je récolte. Après, les amis, faut que je passe à la faucheuse. Donc, prochaine vidéo, les amis, vous aurez le droit à la tête. Bah, les amis, normalement, on aurait fini. Là. Donc, on va faire un peu plus. Non, on va faire un peu plus que prévu. C'est pour ça que les amis, on va tenter un peu entre les vignes, les amis. Regardez, ça fait plus proche, tu vois. Donc on va récolter. Les amis, c'est bon. Voilà. Faut qu'on approche un peu plus parce que je trouve qu'on en a pas assez. On va rallonger un peu, tu vois. Parce que le champ, on va pas le rallonger. Peut-être rallonger un peu plus par là aussi. On verra. On verra. Pour l'instant, ça reste comme ça. Mais du coup, on va racheter encore quelques-unes. Hein. Puis d'olive. Et puis les raisins, on va en acheter une un peu là. On va en acheter quelques-unes là. On va pouvoir aussi racheter un peu d'olive aussi. Voilà. Qu'on fasse pas mal. Qu'on en fasse un peu plus, tu vois. Histoire de ça. Alors, les amis, après, on achète aussi l'ensilage et tout. La vaccine ensileuse. Donc, la moissonneuse, on va peut-être moins utiliser. Bah, on va l'utiliser autant, mais il faut en acheter une deuxième. Donc. Et là, regardez, les amis, on a 2000. On a 2000 en olive. C'est complètement intéressant. Hein. On fait 2000 olives. Alors, les amis, je vais aller au raisin. Donc. On a fait plus de 2074. Ça c'est quand même 400 litres de plus. Et voilà, ça peut jouer sur une palette. Hein. Donc, ça peut faire une petite palette. C'est pour ça qu'on va racheter d'autres. Et puis ça va pouvoir nous faire un peu plus de rendement. Ça prend un peu plus de temps, c'est sûr, les amis. Mais du coup, la suite de la série va nous prendre un temps ouf. Si on compte que sur ça. Et puis, si on veut vraiment faire du rendement, des palettes, de gagner de l'argent, oui, il faut que ça prenne du temps. Donc, c'est sûr. Après, niveau 20, on perd des épisodes. Mais bon, si on en fait beaucoup plus. Voilà. Pas croire non plus. C'est comme les raisins, hein, c'est pareil, les raisins n'en fait pas assez. Alors oui, ça va tomber plus sur le côté. C'est vraiment stylé en plus. Donc là, on va en faire un peu plus. Voilà, let's go. Allez hop, tu peux emmener la machine à olive à la ferme. Emmène-la à la ferme. Attends, ouais, je vais la ramener là. Alors lui pareil, le massé il va aller charger, il va aller livrer moulin à l'huile. Ouais, il va directement ramener ma olive. Mes amis, je vais directement attaquer les raisins. Mes amis, je vais mettre un accès, les amis. Et bah, les amis, à tout de suite. Bah les amis, tout le monde, les amis, désolé. Ah, l'ouvrier est terminé. Ah bah quand même. Et bon, l'ouvrier a mis un petit moment. Eh bah yon, l'ouvrier, t'as mis un petit bail quand même. Ok, let's go. Ok, c'est bon. Et bien les amis, on avance bien, les amis, je suis en train de faire la première fauche, mais je vais quasiment terminer la première fauche, après on va attaquer la deuxième fauche. Donc je vais directement faire la deuxième après, hein. On va directement faire les fauches directement, donc après je vais aller au champ 33. Ah les amis, oui, il faut aller au champ 33 après. Donc et après les amis, on va aller vider les palettes après, on va faire les palettes juste après, donc on va revenir là après, ok.
Donc après je vais directement aller là-bas, je finis de charger les amis, puis après on va y aller. Voilà. Bon les gars, ça s'est pas passé les amis, j'ai récolté les raisins. D'ailleurs ça fait un peu plus de rendement, c'était bien. On a planté aussi, on a replanté d'autres. Et on va en replanter aussi d'autres hein, pour que ça fasse qu'on y a des très bons rendements à chaque fois. Donc là on a fait 1300, on était à 1000 depuis sur le toit, bien dans ton 1000. Donc on a fait 1350 je crois, donc c'est quasiment, on va dire 300, quasiment 300, un peu plus de 300 litres de plus, hein, on va dire 300 litres de plus que d'habitude. Bah c'est bien, au moins ça va être toujours 300 litres de plus. J'ai très mal rompu le frein. Bah les amis, on va pas en faire des tonnes et des tonnes non plus. Donc, on va en faire un peu, mais bon. Mais vos amis, j'ai mal aux jambes, amis. Mais en vrai, j'ai encore des tournages de Partez de Rien saison 2 à chaque 2, parce que j'ai pas encore tourné, les amis, là, vous, la vidéo est mercredi, alors j'espère. Vous l'aurez vu jeudi, donc voilà. Mais après, les amis, j'ai encore une épisode de Partez de Rien à vous tourner. Et après, on a encore un autre épisode de La Plus Belle Firme. Ah, bah, parce que vous, déjà, chaque fois, il faut changer la chaque 39. Non, je sais même pas trop ce qu'on va donner, chaque 39, on va voir. Je pense, les amis, on va pas trop avancer aujourd'hui. Voilà. Mon ami, le voyer, il va faire deux champs de colza. Parce que nous, on a fait trois champs de blé. Parce que, les amis, on a vraiment passé de. On a vraiment passé de récolte. Je pense. Ouais, on va peut-être bien récupérer un peu les oublis parce que bon, on a quand même 13 000, mais bon, on va peut-être que ça récolte, faut que ça aille un peu plus de début là-dessus. Là, les amis, au niveau palette de laine, je pense que là, le plus haut, on a fait 14 000. Là, je pense qu'on va peut-être en faire moins 18 000, 19 000 là, litres. Ou ça va peut-être faire au moins une palette de vêtements en plus, hein, je pense, au moins une palette de vêtements en plus. Si on en fait même pas deux. Si vraiment on en fait deux, les abonnés, je suis surpris. Hein, si on fait 6 palettes de vêtements, je vous dis que là, on est riche. Hein, vraiment, on est riche. Sachant qu'en plus, on a les raisins et tout. Les raisins, c'est pour ça qu'on en plante un peu plus, pour qu'on trouve vachement plus d'usine de production. Mais en vrai, les amis, il faut vraiment vous en planter des raisins. Voilà. Parce que si vraiment on fait du rendement, et les raisins, tu fais quand même un peu moins de rendement que les olives, donc il faut que tu aies un peu plus. Tu vois. Même si on a fait 1300, c'est pas non plus dégueulasse. Mais il faut qu'on en plante d'autres. Hein, parce que 1300, je trouve que c'est pas ouf. On a fait 2000 là, hein, sur les olives. Donc ouais, 1300 contre 2000, quasiment 2100 pour les olives. Donc voilà. Les amis, les olives, ça va bien tourner dans les. Ça va bien faire pas mal de palettes. En vrai, les amis. Je sais qu'il faudrait qu'on replante un peu plus d'olives, au moins on va peut-être faire au moins 2000 voire 3000. On va pas faire 10 000 litres comme les, voilà, mais on va déjà faire à peu près 3005 max. Palettes d'olives, moi ça peut faire moins 2-3 palettes d'olives et ça va être intéressant. Quoi. Parce que si on n'en fait pas beaucoup. Mais alors, les amis, on va planter aussi des tournesols. D'ailleurs, oui, alors aussi c'est intéressant, c'est peut-être aussi planter des tournesols parce que l'usine va faire aussi du tournesol, donc on va en faire aussi. Au moins, l'usine de Moulin, lui, il va pas vraiment savoir qu'à rien. Il sert vraiment pas trop à rien. Pour 80 000 euros, on peut faire dans la même usine l'huile de colza, l'huile d'olive, l'huile de tournesol, donc ça c'est vachement bien. Hein, voilà. Donc déjà, ils n'auront pas. Pour 80 000 euros, hein, ça coûte pas cher, hein, franchement ça coûte pas cher pour ce qu'on fait. Au moins, les amis, là, moi, ça récolte bien. Et les amis, on est content. Et ça récolte super bien. Donc au moins c'est intéressant. Quoi d'ailleurs, les amis, gars, je vais aller récolter la suite deuxième champ, les amis, gars. Et les oreilles vont pas avoir fini. Ouais. Les oreilles vont pas avoir vont pas terminer. Ouais, les amis, gars, faut que je remplisse les palettes de laine. Ça va prendre un sacré moment. Ça va prendre, moi, je vous dis, une demi-heure. Après, faut que j'aille chercher les cerfs. Ça va prendre un quart d'heure. Les œufs et tout. Ouais, j'ai même 20-25 minutes, je dirais. Donc, faut encore moins. Bonne une heure encore. Ah, ben, mais ouais. Donc, pour ça, faut pas qu'on commence à faire les palettes aujourd'hui. Moi, les amis, il est 14h déjà. Pas non plus faire ton temps vidéo, mais bon, je vais encore faire au moins une heure. Hein. Je suis à 37 minutes, je vais faire à peu près encore une vingtaine de minutes, 25 minutes encore. Ouais, parce que après, les amis, après, faut que je monte ce soir. Et ce soir, les amis, vous verrez cet après-midi. Donc, fin d'après, les amis, je vais monter la vidéo. Et bah oui, les amis, ça va aller assez vite. Après, les amis, je vais directement aller faire le tournage de Partez de Rien directement. Moi, les amis, ça sera tourné. Les amis, j'aurais pris une sacrée avance. Normalement, je vais terminer vers 16h. Et les amis, déjà, je gagne plus d'une heure. Hein. Donc, je vais gagner une heure en vrai. Si je vais terminer vers 16h10, c'est là que je vais terminer vers autour de 15h15. C'est terminé. Donc, les amis, je vais pouvoir attaquer le montage. Je vais pouvoir faire une petite piscine. Tu vois, donc, ouais. Voilà. Et puis, si chaud, même avant la soirée, je vais tourner la suite de La Plus Belle Firme. Au moins, les amis, j'aurai tout tourné. Et à moi ce soir, les amis, je vais aller à la piscine. Puis après, les amis, je pense que je vais commencer à tourner la suite. Moi, je vais live à 18h45. Je vais vous live, tu vois. Voilà, vers 18h40. Puis en vrai, les amis, vers 18h40. Ouais, vers 18h15, je vais vous live, tu vois. Donc voilà, fin d'après-midi, je vais faire un peu la voiture et tout. Et après, les amis, je vais vous live ce soir vers 18h30, tu vois. Une demi-heure, tu vois. 18h30, 19h05, tu vois. Donc,
Mais vous, vous aurez déjà vu de live. C'est pour ça que les amis, je parle pour que pour moi. C'est un sacré organisation, les amis, hein, parce qu'après, les amis, il faut que je change le reste et tout. Allez, les gars, on parle après, les amis. Demain, je suis plus chez moi. Bah, je suis plus dans, bah, dans ma maison actuelle, tu vois. Bah, je ne ménage pas, mais je suis en vacances, donc tu vois, tu quittes ta maison, tu quittes tout tes PC, tu quittes tout ça. Ça fait quand même bizarre, hein, je vais pas vous dire. Ça fait quand même bizarre quand tu quittes bah, le studio pour une semaine. Hein. Demain matin, ça va être ça. Parce que là, toi, je me rends pas compte encore, parce que bah, je suis encore des vidéos et tout. Mais demain, quand je vais quitter le setup, c'est un grand jour demain. Hein. Ok, bon les amis, ça va être de mon côté. Les amis, je pense que je vais remettre accélérer les amis. Et puis on va se retrouver, bah, j'ai encore parlé de 2 minutes, allez, 2 minutes encore. Et puis on va se retrouver pour la fin de l'ép. Ouais, mais non, je vais mettre accélérer tout de suite. Hein. Ouais, non, on va mettre accélérer tout de suite parce que. Ouais, non, on va mettre un tout de suite. Les amis, à tout de suite. Et bah les amis, tout le monde les amis, on est en train de parler les amis. Bon les amis, on va regarder la miniature les amis, parce qu'on va terminer là les amis. Et oui, ils ont terminé, oui, non. Oui les gars, je suis en train de faire les palettes de l'air, les amis, il faut faire après l'autre. Elle est beaucoup plus galère à faire. Elle est beaucoup plus galère à faire, c'est vraiment pour les amis, il faut monter et tout. C'est... Ah, c'est vrai que c'est cette ferme là, c'est un couteau, je pense qu'on fera vraiment une échange parce que. Elle est galère, regardez les amis, il faut monter sur la côte et tout. Bah ouais les amis, quand t'as la deuxième ligne ça va, mais quand t'as la première ligne c'est chaud. Bon les amis, on va terminer dans quelques minutes, dans 3-4 minutes on va terminer. On va terminer en 3-4 minutes, donc les amis, la prochaine fois les amis, on aura encore, on aura encore des palettes et des palettes à faire. Ah bien, bon, ça a été prévu ça. Allez, rempli. Les amis, on va être bien chargé déjà. Hein. On a fait que ça là. Ah, ça remplit vite, tu sais. Je me dis, les gars, c'est pas beaucoup. Hein. C'est pas beaucoup. Allez hop, allez, fous ça là. Allez hop. Ouais, oui, il y a Noé qui a terminé. Bon, tant pis, de toute façon, l'autre il va terminer. Les amis, moi je vais arrêter dans deux minutes. Je vais arrêter. On peut rester 107 ans. Ouais, la prochaine fois, les amis, je vais terminer. Les amis, j'étais obligé de refaucher, les amis. Puis j'ai payé. Bon, on a perdu du temps aussi parce qu'il fallait que je fasse le gasoil de la boîte du tracteur. On avait plus de plein. Il était tout vide. Alors, j'ai même pas rempli à fond. Si on en quelques heures, il faut le remplisse. J'ai essayé de faire le plein. Donc voilà. Oh putain. Allez, les amis, ça sera la dernière palette qu'on va mettre. Amis, bon, on va s'arrêter là. Ah putain. Ouais, les ouvriers, il reste plus qu'un champ à faire, les ouvriers. On a perdu pas mal d'argent, les amis. Hein. On a 80 000 euros, mais bon. N'inquiétez pas, on va les récupérer. Ne vous inquiétez pas avec la vente. Alors, on va peut-être faire 300 000 euros. Hein. Je sais pas pourquoi. C'est pour ça, les amis, il faut qu'on achète des pieds de vigne. Allez hop. Oh, t'es sérieux, gros? J'ai envie de l'insulter, la palette. Je vais m'insulter parce qu'on est en vidéo. Pourquoi ça a poussé? Explique-moi. Mais c'est quoi ce bug? Mais c'est vraiment des bugs de palette, ça. On déconne. Pousse à la palette parce que. Elle pousse là, hein. Hop, t'es au fond. On va la mettre à côté. Parce que, allez, pousse là. Oh le bordel. Non, mais tu vas te mettre comme ça, tant pis. Oh, les amis, le chargement, les amis, est éclaté, hein. Allez, pousse-toi. Oh, mais. Allez, ça va me péter un câble. Hop, ça va tomber, hein. Là, je me connais. Allez hop, sang. Ok, allez hop, c'est bon. Ok, les ouvriers, c'en est où?
Allez, je vais juste emmener ça là-bas et puis les amis, il attaquera la prochaine fois. Allez, on va arrêter dans quelques secondes, les amis. Et là, on aura bien avancé, les amis. On aura très, très, très bien avancé. Là, de me redire, les amis, je vais étonner, j'ai une sur partie rien. Et puis, je retournerai ce soir sur cette partie. Hein. Et oui. Ça demande du boulot. Donc, les amis, j'avais 1h50 de rec. Hein. Ouais, 1h50. Hein. Voilà. Donc, les amis, on réduit. Hein. Prochaine vidéo, les amis, sûr, je vais faire 2h. Hein. Allez. Et bah les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu, merci franchement, à tous les deux, vous avez une très très bonne journée, je vous souhaite une bonne journée à tous, ciao, tout le monde.